Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Carnfunk pour un nouvel épisode de Payday 2 de Hammerwatch avec Ikrinox. Salut Ikrinox. Salut tout le monde. Bon bah voilà, il y avait une fissure dans la bibliothèque, donc on a pété la bibliothèque. Au bout, tu as redécouvert une secrétariat, c'est ça? Oui. Voilà, avec un autre bouton qui nous manquait, qui va nous permettre de déclencher encore un autre bouton. Alors qu'est-ce qui déclenche maintenant celui-là? Est-ce qu'il arrête les pics? Non. Bon, est-ce qu'il a débloqué un truc en haut? J'y vais. Rien. Nice, que dalle. Peanuts. Ah, vraiment, on est sur de la qualité, hein. C'était vraiment un bouton. Elle était où ta salle de mob? Nul. Elle était tout en haut, mais pas sur cet étage là, c'était étage 8. On peut descendre étage 8. L'horreur. L'horreur n'a pas de fin sur Hammerwatch. Cherchons pour ce bouton là, tu vois, genre vu qu'il y a la douille de l'échelle, si ça se trouve, il y en a encore une. Oui, tout à fait possible qu'on ait débloqué autre chose. Bon, déjà, on a trouvé de la thune dans cette affaire. C'est bon ça. Ouais, on a trouvé de la thune. De l'argent, du bif. C'est ça. On voyage beaucoup quand même. Hein. Ouais. Attends, je vais à l'autre bout de la map voir. Tu te souviens là avec tes trucs, tes marches de feu qui t'ont débloqué un petit portail. Oui. Mais par contre, pour y aller. Accroche-toi, Jeannot. Hein. C'est vrai que j'avais débloqué du coup un truc là-bas. Je fais le grand tour par le bas. Oh. Je veux un sledge dans ce jeu. Ça fait 30 minutes qu'on cherche. Seulement. Seulement 30 minutes. Oh vraiment, ça s'appelle Recherche Simulator là. C'est génial hein. Paye ton piège. Il me faudrait un checkpoint si tu pouvais l'activer. J'ai activé un checkpoint de mon côté, juste après les flammes. Je l'ai réactivé, nice. Si ça te fait plaisir. Merci, bah, je vais essayer de mourir dans les flammes. Donc ça n'a toujours pas ouvert ici, mais il y a un bouton ici aussi. Donc moi là, je veux bien avoir là, la chauve-souris qui m'ouvre le passage secret. Hein. Mais elle y est pas. Ma vie est nulle. Écoute, on va forcer. Oh! Mais t'as trouvé, mais comment tu trouves toi? Bah en fait, j'ai frappé le mur et il y a un truc qui a commencé à faire. Comment tu trouves? Oh, c'était encore un truc fissuré! Ah, mais vraiment, les fissures sur les bibliothèques elles sont invisibles! Et j'ai activé un autre truc, séquence complète, on a révélé un passage secret. Une fois qu'on a tout ramassé, je te soigne. Attends. Ah non, on peut pas passer par là. Il y avait de l'espoir. Oui, il y avait de l'espoir. Donc on va se retaper la session. T'es prêt? T'es chaud? Allez. Oh, j'ai pas de mana. Voilà. Avec un peu de chance. Ok. Ça, donc qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est à droite. Regarde. Regarde. On va casser des gens. Moi j'aime bien casser des trucs là comme ça. Ça me rend de la vie. Ok, faut appuyer sur le bon logo. Bah c'est celui-là. Ah, bah, vas-y, je te laisse faire la succession. T'as merdé, je crois, dans la succession. Vas-y. Je te regarde. What? Pourquoi? Je suis perdu. Ah, ok, faut. On va attendre qu'il les défile. Ah, ok, faut attendre en fait. Ah, c'est. Ah, j'ai appuyé trop vite! Mais merde, ça part appuyé! Je suis pas doué! Tu vas trop vite! Z, faux et croix. Oh merde! Grave le seum! Je souffre. Moi pas. Mais je me soigne, t'inquiète.
Greg faux. Non. Non. Bon, je te laisse faire, je rage. Ouais, mais faut que tu les retiennes pour moi parce que j'ai pas de tête. Hein. Ah ok, bon bah attends, j'essaye d'y aller. Ah bah, je vais passer en papier numérique temporairement parce que la manette, le joystick, ça maîtrise mal du coup. Rond. Rond. Rond Z. Fais pas le con. Rond Z croix. Mais ah, mais tu rappuies deux fois après moi, tu vois bien que je le fais. Oh abruti, tiens, va mourir. Allez, vas-y, je te soigne, va crever. D'accord, je vais crever. Vraiment le passage secret, la con. Oh, tu y arrives même pas juste parce que t'as aucune patience. En fait, ça, c'est le puzzle spécial anti-adolescent. T'es obligé de faire fonctionner 3 neurones et d'être patient. Faire fonctionner les 3 neurones, ça passe, mais cette patience, ça me saoule d'attendre. Ah, c'est dur hein, d'être un adolescent. Un enfant. Non. J'ai oublié. Oh non, c'était mauvais. Alors, j'avais dit 3 neurones, pas 2. Hein. On va passer une heure à faire ça. Y et le 0. Interdit, je crois. Et Z à nouveau. Allez. Allez, petit. Allez, allez. Le Z et la faux. Et la faux. Voilà. Vous ne te souvenez plus en vrai. À vous tout. Alors, la faux, j'avais un doute entre à vous X tout. Et la faux. Tu as avoué ta faiblesse. Ça nous a ouvert ça, non? C'était déjà ouvert ça? Ah, c'était déjà ouvert ça. Qu'est-ce que ça nous a ouvert? Allons nous promener, c'est pas ce qui manque. Le bleu avec un peu de chance. Oh, le portail bleu. Le bleu portal direct? Oh. Ah oui. Go, c'est parti. Hein. Là, ça sent l'escalier. Hein. Ça sent l'escalier du podium. C'est parti. Ah ouais, ah oui, c'est Kill Time, partie 3. Ah, enfin, le 3, on avait fait les deux premiers déjà. J'étais mis super bien avec les deux premiers. Et là, le 3ème, il est vraiment le mini-jeu de la richesse. J'aime bien avec le niveau très très rétro dans les couleurs, le style et tout. Ah, c'est vrai que les flèches, en plus, moi j'en ai rien à foutre. C'est magique, j'avais oublié ça. Ouais, que j'avais oublié que le paladin, pour ça, c'était quand même le gros bonheur. Le combo éternel. Je commence à avoir un peu mal au doigt, je t'avoue. Je commence à avoir un petit peu mal au doigt. Je viens de me battre au niveau du combo, ça me fait. Ah bon? Sérieux? J'ai ah, j'ai trouvé une clé. En max. Ah non, je t'ai battu. J'avais 110. Ah bah tu vois, tu m'as battu. Ah ouais. Faut pas mes 10 ans. C'est magnifique là. Hein. Oh bah c'est un peu de thune, ça fait plaisir. Je laisse un peu de squelette derrière pour le fun quand même. Ok. Je me dis que ça file des pommes, un peu de pognon, tout ça, de hacher des gens. On s'était caché. On s'était caché. On s'était caché. Ah oui, parce que moi je dois avoir un combo plus court que le tien et que j'ai pas pris tous les items de la moule et de la chance. Quoique je les ai pas tous pris non plus, c'est juste après une histoire de nombre de monstres rencontrés. C'est vrai que ça doit dépanner pas mal. Ah. Non, on va pas exit, tout de suite. C'est de. Est-ce que vous avez. Bon déjà c'est de nettoyer tout le niveau, hein. Sinon ça ne sert à rien. Sinon quel ennui. Oh tout cet argent. Ah bah là c'est la... ça va être la peu le 8 pognon, fais voir un peu. Ça va, 2007, on s'est mis pas trop mal. Hein. Oh il y a une popo de l'autre côté, oh je la veux. Oh je la veux, j'ai pas de popo. Tu le ramasses pas hein, t'en as déjà une. Hein. Interdiction, t'es interdit de ramassage de popo. Putain, il y a des pommes et des cristaux de mana partout, c'est horrible. On a rien perdu en PV. Putain, mais ouais, j'ai pas pris un PV. Ah, attends, on a oublié une petite colonne de pognon là. Je m'en serais voulu personnellement quand même. Ouais, je pense qu'il y a un truc là. Ouais, il y a une trappe ici. Pas à quoi ça sert. La trappe, c'est là d'où on a spawn. Ah, bah oui, c'est le spawn. Le spawn point.
Merde, le spawn point. Pouette, 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 pouette. C'est bon, j'ai ma popo. Champion. Ok. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à ouvrir ce mur? En fait, tiens, viens, je sais peut-être où c'est. Vu que j'ai déjà vu ce symbole. Tu l'as activé ici, non? Ah bah y'a un symbole là, y'a le même. Ah bah... Waiting for play... To exit. Il me demande d'être à deux. Non mais c'est pas la, les, c'est pas la sortie, la sortie est en haut. Ok. Allez, je te rejoins. Comme y'a le même logo là-bas, je pense. Ah ok, c'est ça. Ok. Bon bah go l'exit. Hein. Heureux d'avoir trouvé une vie, en plus. Ouais, tellement. Tellement on s'en fiche en vrai. Oh là là, oh là là. Oh la douche de fric. Rien que les deux cailloux. Rien que les deux cailloux. On est au level 9 là, du coup, c'est ça l'histoire là. Ouais, on est toujours level 9. Hein, on peut toujours pas accepter que c'était comme ça. Éloigne-toi. C'est le code aléatoire. Vas-y. Merde. Toujours là. La maîtrise du joystick. Ok, donc. Ah. Presque. C'est bon, je vais le code. Allez. Le Y, le Z, le O et la faux. Allez. Ok, ça veut dire qu'on a débloqué un truc. Ouais, ouais. Trop oh, content. Oh, attends, non, j'ai. Ah, bah oui, là on a deux. On a de nouveaux passages. Il y a plein d'argent en bas. Je te laisse ramasser. Je te crois sur parole. Je vais visiter le fond de ce passage. J'ai trouvé une planche. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, une vie. 10 de mana. Un bonus de plus 10. Et un gros diamant. Écoute. Ouais, un bonus de plus 10. Bah, ça c'est cool. Eh bah, écoute, nous pouvons peut-être enfin aller voir. Donc, le on est d'accord que j'ai 10 de mana permanence là en plus. Oui. C'est bien ça, ok. Non, c'était cool. Ah, je pense que c'est enfin le moment de rejoindre notre boss préféré. Ah, ça nous a pas réparé notre pont là, cette histoire là. Ah non, il y a toujours le truc en bas qu'on a toujours pas trouvé. Mais il y a plein de trucs qu'on a pas trouvé, mec. Tu te rappelles la salle pleine de mobs horriblos et infects? Attends, il y a peut-être un. Ah, mais elle était à l'étage 8, donc autant retourner à l'étage 8 maintenant. Go. Vas-y, go. La salle pleine de mobs, elle était à étage 8 ou 7. Ouais, parce que là, il y avait encore un... Non, c'était 8, hein, parce que c'était les mobs qui pleurent, là. Les yeux. Ok. C'était les Est-ce yeux, donc ça devait être cet étage-là. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de... Tu vois, je suis sûr qu'il y a un passage ici. C'est sûr, il y a un passage ici. Un moyen de s'enfuir? Non. Oh. Si, pourquoi il y a un gros tracé bleu? Regarde au milieu du. Regarde ta carte. Il y a une espèce de L bleu. Là-dedans, là. Non, regarde. Regarde sur ta carte. Ah non, ça, c'est en fait, c'est la zone qu'on n'a pas pu détecter. D'accord. Donc dans laquelle on peut toujours pas aller, quoi. Mais il y a une zone là. Bah non, c'est juste ce qu'on n'a pas détecté, c'est... On sait pas ce qu'il y a, mais si ça se trouve, c'est un mur. Et ça ah d'accord, oui, c'est... Ok, c'est un carré bleu de détection, de... Oui, Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas aller par là, là. Ouais, ça me paraît bizarre qu'on puisse pas sortir gentiment, tu vois. Même méchamment, on s'en fout, mais... On puisse sortir, quoi. Parce que là, ça sent le raccordement obscur. Allez, faut qu'on retourne sur ce level-là, je pense qu'on trouvera quelque chose. Suivez-nous, on connaît un passage. En bas. Il y a plein de trucs partout. On en a laissé partout. C'est pas par là. Ça va nous donner un endroit pour s'enfuir. Là. Ah oui, ça c'est bon. Là, c'est valide. À l'aventure, compagnon. Je
demande comment repérer les pièges, enfin les trucs avec... Enfin c'était là, l'endroit maudit que nous cherchions pas. Ah oui, il y a toujours ça, désactive. Les clous qui ont toujours pas été désactivés. Ouais. Les clous, je pense qu'ils sont avec le gros bouton qui est dans le vide là, et qu'on sait... et qu'on... ne sait pas comment... machiner. Je me demande s'il n'y a pas une... Tu vois, parce qu'il y a des plaques qui ne s'activent pas. Tu penses qu'il y aurait un tracé magique? Je me demande. Bon, déjà, il y a un tracé magique sûr pour pouvoir traverser le tout. Tu vois, ouais. Tu peux traverser... Tu peux tout traverser en sécurité, en vrai. Arrête-toi sur ton tracé magique que je t'orne de l'AI. Reviens vers moi. T'es pas frais là. Tandis que les morts, tu les cumules déjà un petit peu, hein. T'es déjà passé à 113 en vrai. Juste en cherchant des passages secrets. Et t'avales ta potion. Mais quel boulet. Mais quel boulet. À la prochaine fois, je te laisse mourir. Voilà. Officiel. Ceci dit, on n'est pas allé voir dans le couloir qui menait au boss. On n'y est pas allé voir s'il n'y avait j'ai pas regardé, un bouton. J'ai rien vu. Hein. T'as pas vu de bouton, ouais. Ok, d'accord. Donc tu y es déjà allé. Non. Oh, parce que j'ai fouillé, tu vois. Genre, ça me paraissait important, mais. Ok, non, ça marche pas. J'aurais essayé. J'ai sacrifié ma vie pour voir si quand même on pouvait essayer de se glisser entre deux pics. Je payais de ma vie, monsieur, pour cela. Alors, plus de mana, combo timer. Ah oui, bah oui, ma chance de pouvoir te rattraper dans les combos. Très bien. Peut-être pas le level 4, hein. Je suis level combien? Ouais, 3, c'est bien. Suffisant. Et la madame au couteau. Oh, ah oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à lui acheter à cette madame. Le sword damage, oui. À un moment donné, pour taper sur du boss, ça pourrait être intéressant. Oh. Tu sais quoi, je crois que je viens de voir une variation dans les textures, attends, viens un coup. Il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il trouve tout. Je suis content, hein, mais il trouve tout. Il m'énerve. J'arrive. Oh, le pire, tu sais, c'est où? C'est dans le passage secret qu'on avait débloqué la dernière fois, là. Mais non. Avec le trou dans le mur, et ben, il y en a un autre, je crois. Tu mens. Parce qu'il y a une bibliothèque fissurée. Oh, encore, quoi. Le coup de la bibliothèque fissurée, là, faut arrêter, hein. Oh, mais comment je vais par là, là? Oh, il faut que je fasse tout le tour. Oh, putain. Ce jeu... Mais c'est labyrinthe sans fin. C'est grave violent en plus, c'est des bâtards. Vraiment, leur texture, c'est des variations, mais de poils de couilles. Une variation de poils de couilles. Je checkerai ça de mon côté, voir s'il y a une variation dans les poils moi, de je couilles. Te conseille. Tiens, tu vois pas une variation dans toutes ces bibliothèques? Ah si, putain. T'as raison. Oh, les What, mecs sont chiants. Bah, il faut remonter tout en haut, hein. Ah, fait jusque là quoi. Ça a l'air rentable cet endroit dis donc. Voilà. Un passage a été révélé. Non c'est vrai. Dis-moi que c'est là. Oh. Là faut faire demi-tour. Pourquoi? Oh c'est derrière. Notre vie est nulle. Je jure on a voulu rendre notre vie bien mais en fait elle est nulle. Incroyable. Tu l'as eu du coup le Vendor Coin comment en appuyant sur le bouton? Ouais en appuyant sur le bouton ça l'a téléporté là-bas. D'accord. Bon bah cool. Enfin. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la salle de monstres en question. Étage 8. Qui est étage... Ouais c'est ça. Mais en vrai je suis sûr qu'il y en a plein d'autres on sait pas où ils sont. En plus. Mais il y en a tellement partout mec, c'est ouf. C'est ouf. C'est pas possible de vraiment finir ce jeu en fait. Ah mais ça fait mal aux cheveux quoi, vraiment. Si je pense parce que là, vraiment si tu veux effectivement... Je pense que ce jeu justement fait en sorte que si tu veux galérer, tu peux dans un sens où t'as plus beaucoup de vie chez toi, je m'arrêterai. Ça fait quand même une heure qu'on cherche les mêmes des passages secrets. Ouais hein. Mais ça, non, les gens savent pas en fait, ça fait 10 minutes. C'est tout là, ça on a des PGME, on a oublié de vous le dire.
En tout cas, peu lui de pognon, je suis déjà à 1300 et quelques, hein. Je pourrais m'acheter mon combo timer 4, mais bon. Enfin non, je peux pas. Je suis dans les 7000, hein, écoute. 7000 balles, putain, comment tu fais pour agglutiner 7000 boules? Par cet étage 7. Je la vois pas, la salle de mode, c'était peut-être oui. Étage 7. Bah écoute, oui. Go étage 7. Parce que ça aussi, hein. Soit c'est le premier truc qui m'a rendu fou quand j'ai fait le premier épisode avec toi, j'ai fait... Comment ça, on est passé de l'étage 1 à l'étage 15, à l'étage 43, puis on est revenu sur le 12B7 en exemplaire rose. On dirait la préfecture du Val d'Oise. Gros bâtard. Parle trop mal de sa préf. Faut dire, c'est quand même un beau bordel, la préf. Même si en vrai, c'est structuré. C'est quand même un gros bordel. Je vais la voir. C'est l'homme qui essaie de me rattraper. Ça y est, c'est bon. Je t'ai rendu toute ta vie. Ah, c'était ça? Bah ouais. Là, il y a une variation de poil de cul. Ah non, c'est une torche. C'était presque. En plus, ça veut dire qu'il faut que t'ailles lentement et tout pour voir les trucs cassés. Oui. Oui. C'est chiant. Ouais. Ouais. C'est tellement chiant. Oui, donc il est toujours là-haut cette salle de mob, en effet. Ça ne nous a rien ouvert de plus. J'en alors, est-ce que tu casser, vois hein. Cette variation de poils de couilles dont on parlait précédemment? Non, là, je la vois pas. Vois-tu un poil de couille qui vibre? Un poil de couille qui claudique? Parce qu'on est d'accord qu'on a réactivé un autre passage, là, en fait. Quelque part. Bah, je crois. Qu'est-ce que tu crois? Je ne sais pas. Ou alors, pour ouvrir cette salle, il fallait l'ouvrir étage 1, en combo avec l'étage 3. Ah, peut-être, c'est pas con ça. Je pense que c'est pas un jeu avec des frames aux poils de couilles, je pense que c'est un jeu qui est fait pour que tu t'arraches les poils des couilles. Dans une douleur extrême. Ah, vraiment, c'est le jeu avec les passages secrets de la mort. Ah franchement, quand ils ont fait les sprites des bibliothèques cassées... Bah des fissures dans les murs tout court, hein. Sprite de la fissure, lol quoi. Bah la fissure dans un mur, ça se voit. Hein. Ah mais la bibliothèque, va regarder en bas, genre il y a une petite fissure. Bon, et si on allait poutrer un boss? Écoute, moi ça me va. Je sais pas si je suis au bon point de passage, en fait. Ouais, t'es au bon. Ok. Et ben moi, je te propose, vu notre argent, aller voir des madames. Moi, je peux plus acheter grand-chose, j'avoue. Toi, encore beaucoup, mais... Ah, il m'aurait fallu une petite salle de monstres en plus pour pouvoir acheter un truc, hein. Une petite salle de mob. Ouais, oui. Ah, étage 3. Intéressant. Non, acte 3. Acte 3, d'accord. Bah on va aller voir défense et vitalité. Vitalité, elle me propose quoi? De la vie et du mana. Voleuse. Ah, je suis trop pauvre. Et l'armure? Bah on va prendre ça, du stun. Ah si, je peux payer le move speed. Allez. Allez, j'ai claqué mes derniers dollars pour aller aussi vite que toi. Sérieux? Oh le bâtard. Ouais, non, regarde, je fais des speedruns. Vas-y, viens, on fait des speedruns. Regarde, on fait une course, on se met à ce mur là, et on va en face. 3, 2, okay. 1, go. Ne me rattrape pas. Voilà. En fait, je on te rattrape, mais très légèrement. Oui, parce que j'allais légèrement en bien, moi, j'allais pas tout droit. Comme un con. Par contre, j'ai une technique. Ouais, t'as les dashs de sale voleur et tout, les crochets, les machins. Sale voleur. Grappin du voleur. Alors maintenant, faut réussir à remonter. Yes. La salle du boss. Ok, je la vois. Non, c'est par en haut, il faut faire tout le tour. Ah oh, putain. Ouais, faut vraiment faire tout le tour, quoi. Ah, attention, on a un petit shortcut ici. En fait, on se disait c'est ridicule, en fait, c'est la vie.
En fait, le petit shortcut, c'est trop la vie. Sinon, tu t'ouvres les veines, quoi. Sinon. Vraiment, on part sur un dash très rapide. Tout ça pour être obligé de m'attendre à la fin. Ouais, mais au moins je t'attends à la porte, j'ai plus besoin de bouger. C'est parti. C'est l'étage du boss. Là, passage secret. Le mec devient fou. Avec la petite musique du boss. Là-bas, elle-même. Je peux pas la stun, c'est cool ça. Ouais, je t'ai pas dit, elle fait des clones. Et dire qu'il y a des gens qui jouent en hard. Je pense que c'est des gens qui ont pas de vie. Je pense que c'est des gens qui trouvent que leur vie c'est de la merde. Allez. Full life. On recommence. Ah, t'imagines vraiment, t'as farmé le jeu, t'as atteint ce boss là, il te baise, mais t'as gardé le seul. Mais surtout que le jeu, tu me dirais, ouais, bon, en vrai, il est gérable, mais non, mais il est super dur en vrai de base déjà. En normal, il est grave dur déjà. C'est ça quoi. C'est le genre de jeu, tu peux le faire qu'à 4 en fait. C'était pas un bien fini. Lich a été tué. Félicitations. J'ai plus de mana. Merci. Félicitations. Alors qu'à la date de tes morts, on va où maintenant? Ah bon, on sort par là. En haut, là où il y a de l'argent. Nice, une vie supplémentaire. LOL, le jeu qui se paye trop ta tête. Tiens, regarde, t'as gagné une vie, t'as gagné, donc du coup t'as plus besoin de vie, quoi. Ou alors étage suivant. Non. Non. Pas comme ça, Ekrinox, pas comme ça. Ekrinox, dis au revoir aux gens. Au revoir tout le monde. Salut YouTube. À la prochaine. Oui, je vous ferai chier avec le prochain niveau. Regardez, il est tout petit. Pour l'instant, on voit que ça. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Encore plus grand. Salut.